Salut à tous, bienvenue sur le petit ballon jaune. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, nouveaux joueurs, match amical USO Saint-Privé qui va être notre fil rouge, c'est le tuto USO 2021-2022. Je peux pas appuyer, merde! Salut les petits potes, c'est le début de la saison! Match amical face à l'ennemi juré, l'ennemi intime, Saint-Privé sans mes mains. On joue contre qui? Saint-Privé sans mes mains. On la garde pas celle-là. Ah si, on va la garder, je pense. Bon les petits potes, première erreur. On dit Saint-Privé, Saint-Hilaire, et pas Saint-Privé, Saint-Mémin. Allez, on continue. Et avec moi, un homme et pas des moindres. Le Père Feeling. Père Feeling, on vous avait déjà vu dans une vidéo en Belgique. Il tire sur le gardien. Mais Gadget, c'est sa spéciale, c'est tirer sur le gardien. Et là, c'est la première fois de ma vie, pour le coup, que je vais voir Orléans en vrai. Je suis tout excité. Qu'est-ce qui se passe au stade de la Source? Alors ça, c'est pas commun, quoi. Allez. Je félicite Romain, qui a eu pour moi la meilleure des réactions avec ce commentaire. Bon les petits potes, première déception et pas des moindres, pas de frites, pas de chaud à la buvette. J'espère que les frites sont bonnes, les saucisses, un jambon beurre. Pas de frites mais de la bière, oui. C'est sûr, sans alcool. Ah bah c'est même une certitude. Donc plus d'espèces, pas de chaud, pas de frites. Et tous les gamins du centre de formation à la buvette, ça va les gars? Le centre de formation, ça se passe bien? Le petit ballon jaune va bien? Bah écoutez, il se remet tant bien que mal du Covid quoi. Est-ce qu'on peut regarder cette casquette Brésil? Brésil USO là, c'est absolument incroyable. Il y a quoi à la boutique? Oh là 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 là, ça c'est... Franck Kiki à l'entraînement, attention, oh aïe aïe, je finis comme une merde. Centre de Bertrand Bayou. C'est beau ça. Oh là là, ça va dans les mimines, bien joué Franck. Elle est bonne cette bière sans alcool? Et bah y'a pire. Mais accompagnée d'une bonne saucisse, ce serait parfait. A défaut de saucisse, j'espère que ce soir on aura des buts. Allez, tout de suite, un petit aperçu des arrivées à Orléans. Allez, c'est pour vous, c'est cadeau. Et merci au speaker. Très bon speaker d'ailleurs, je tiens à le dire. Pour l'US Orléans. Numéro 24, Diallo Baila. Numéro 4, Mambo Stone. Et numéro 28, Le Paul Esteban. Numéro 9, Nkada Timothée. Numéro 22, Albitouré Chili. Alerte générale, Ben Kaïd a pris un coup, mais un coup dans les couilles. Lui rassurer, ses chevilles vont bien. Le petit Baila Diallo. Allez Baila! Coup franc pour Saint-Privé, suite à une faute de Mambo Stone. C'est dommage, je suis pas direct. Oula. Oh là là, c'était nul, c'était nul. Et paf! Alors Amine Talal qui vient de faire 5 tours sur lui-même, le fameux coup de la bombe froide, et on repart que dans 2 minutes, il recourt comme un lapin. Allez Amine, là, relève-toi. Moi j'ai pronostiqué 3-1, donc pour l'instant on est plutôt pas mal quoi. Hicham un peu faible, Amine peut mieux faire, mais super surpris, on en parlait avec Patrick là, le Patrick Pommier, de la défense centrale plutôt bon. Bon les petits potes, prochain match, c'est face à Laval. Ok, bah alors qu'est-ce qui se passe à Laval? Apparemment c'est une très belle ville de l'ouest de la France. Alors non, Laval n'est pas une très belle ville de l'ouest de la France, c'est une ville de merde qui a un club de foot correct. Voilà, Olivier Frappoli, ancien coach de l'USO. Et la grosse arrivée pour moi, c'est un joueur très sous-coté du national, Karim Enchobi, qui nous avait déjà planté quelques banderies l'année dernière. Au-delà de ça, il y a une défense costaud à ce qui paraît. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus de toute manière. Le national, on ne sait pas trop qui part favori d'ailleurs, tiens, à votre avis. Bah l'USO bien sûr. Évidemment, ouais.